Œuvres. Et je le répète très souvent, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Tu es la lumière de ce monde. La lumière vient remplacer les ténèbres. La lumière est une solution au problème des ténèbres. L'humanité souffre, ta famille, tes voisins, ton entourage, les nations souffrent. Et Dieu a préparé des solutions pour eux. Et ces solutions se trouvent dans ta vie, dans ta destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu ne dois pas quitter la terre sans avoir déposé ces solutions-là dans la vie des gens. Sans avoir permis à Dieu d'agir pour sauver, d'agir pour guérir, d'agir pour délivrer, d'agir pour apporter du bonheur dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. C'est extrêmement important. Et donc, sur le chemin de ta destinée, il y a trois grands ennemis qui te combattent. Est-ce que tu le sais? Vous ne répondez pas. Il faut avoir l'œil sur eux. Sur le chemin de ta destinée, il y a trois ennemis qui te combattent. Parmi ces trois ennemis, il y a un que tu connais bien parce que tu as l'habitude de le combattre. C'est Satan. Et tout son royaume. En tout cas, même quand Satan n'a rien fait, on le combat quand même. Parce qu'on sait qu'il est mauvais déjà. C'est vrai ou c'est faux? Je vois Daniel qui sourit là. Satan, il y a des jours, mais il n'a rien fait. Il y a des jours, il dit à Dieu, aujourd'hui là, c'est pas moi. Mais quand même, c'est lui, on connaît. Chaque jour, on met le feu sur lui. Donc, parmi, il fait partie de ces trois grands ennemis, c'est vrai. Mais les deux autres-là, tu n'as pas l'habitude de les combattre. Or, c'est à cause d'eux que Satan arrive à t'avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Voyez, Satan est combattu parce que Satan n'est pas en nous. Il est hors de nous et puis il nous combat. C'est un ennemi externe. Mais les deux autres ennemis, sur lesquels je vais m'attarder, eux, ils sont en toi. Ils sont en moi. Et c'est eux qui nous livrent les plus graves combats. C'est quand eux ont la victoire sur toi que Satan arrive à t'avoir facilement. C'est avec leur complicité que Satan détruit ta vie. C'est pourquoi ce que je vais prêcher ce soir, je souhaite que tu sois très attentif. Alléluia. Parmi ces deux ennemis internes-là, on va voir un aujourd'hui et vendredi prochain, on va voir un autre. Alléluia. Amen. Ce soir, je suis venu te prêcher sur l'ennemi qu'on appelle le vieil homme. Et mon thème ou bien mon titre, le titre du message, c'est « Libère-toi de ton vieil homme ». Ici, le homme-là, c'est homme avec grand H. C'est-à-dire, les femmes sont dedans. Alléluia. Voilà. Parce que même quand les femmes ont des problèmes, elles disent, l'homme souffre ici.
Pourtant, elles sont femmes. Elle dit, l'homme souffre ici. Elle dit pas, femme souffre ici. Voilà, ça c'est homme avec grand H, être humain. Donc, libère-toi de ton vieil homme. C'est le titre du message ce soir. Ceux qui étaient là vendredi passé ont pu écouter ce message, mais beaucoup n'étaient pas présents, c'est pourquoi je vais répéter. Et ce message mérite qu'on le répète, pour que ça entre en toi, et que tu aies une haute conscience de cet ennemi-là, et que tu sois libéré du vieil homme au nom de Jésus. Amen. Que cela soit ton partage, si tu as dit amen. Amen. Très bien. Alors ce soir, donc, nous allons parler du vieil homme, parce que souvent, on combat les démons, alors que ce n'est pas eux le problème. Pendant que tu combats la sirène est dehors, Pierre te dit, je n'ai rien fait. Ce n'est pas moi. C'est son vieil homme qui le fatigue. Ce soir, nous allons découvrir qu'est-ce que la Bible appelle le vieil homme. Alléluia. Et comment on peut être libéré du vieil homme pour que tout ce que Jésus t'a réservé là soit réel dans ta vie, soit concret. Je dis partout où je passe que la Bible, ça marche. Dieu ne ment pas. Dieu ne peut pas prendre Jésus, le faire mourir à la croix, le ressusciter pour une affaire qui ne fonctionne pas. Aïe, mes amis, la Bible marche. La Bible accomplit ce qu'elle dit dans les Saintes Écritures. C'est très important. Ce que Dieu dit là, il le fait. Si ça ne marche pas dans ta vie, c'est que jusque-là, tu n'as pas encore compris ce que tu devrais comprendre. C'est pourquoi écoute-moi, frère, et Dieu va te faire du bien. Alléluia. Amen. Alors, par quoi on peut reconnaître que quelqu'un est contrôlé par son vieil homme? D'abord, le vieil homme, quand on lit les Écritures, dans Éphésiens 4, du verset 20 au verset 22, notez très bien ces passages. Ce sont des passages avec lesquels vous devriez prier. Dans cette église, je vais toujours vous rappeler qu'on prie avec la Bible. On ne prie pas pour dire des choses qu'on a envie de dire. On dit à Dieu ce qu'il a déjà dit. C'est ça la prière. La prière, ce n'est pas un bavardage. Il faut dire à Dieu ce qu'il a déjà dit. Éphésiens 2, à partir du verset 20 jusqu'au verset 20. Éphésiens 4, pardon. Corrigez pour moi. Éphésiens 4. Vous savez, j'aime Éphésiens 2, parce qu'il y a beaucoup de révélations fortes là-bas. Mais aujourd'hui, là, c'est Éphésiens 4, verset 20 à 22. Ça va? C'est noté? C'est noté? Bien. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins, vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Paul parle à des chrétiens, Paul ne parle pas à des païens. Et je précise que quand on dit Éphésiens, on parle des chrétiens qui étaient dans la ville qui s'appelle Éphèse. C'est comme on dit les Soubréens. Paul écrit aux Soubréens. Donc les chrétiens qui étaient dans l'église qui a soubré, comme ce soir. Et Paul dit, vous qui êtes devant moi, vous mes frères là, ce n'est pas de cette manière que vous avez appris Jésus. Ce n'est pas comme ça. Il dit, on vous a appris à vous dépouiller par rapport à votre vie passée de votre vieil homme. Donc première chose que le vieil homme, qui concerne le vieil homme, c'est ta vie passée. Les faits de ta vie passée, ce que tu as vécu avant de devenir nouveau-né en Christ, avant de naître de nouveau, avant d'accepter Jésus. Je n'aime plus trop le mot chrétien parce que c'est un mot dangereux. Je préfère même croyant, ou bien disciple, ou bien saint, chrétien là, parce que beaucoup de personnes sont chrétiennes mais n'ont rien à voir avec Jésus.
On se comprend, non? Donc, c'est un mot bizarre. Frère, qu'est-ce que tu as vécu avant de venir en Christ? Ce que tu as vécu là, c'est resté dans ton sang. Est-ce que tu sais ça? Dans ton sang, dans ton ADN, il y a la vie que tu as vécue depuis que tu es petit jusqu'à maintenant. C'est évident. Ça te caractérise. Quelles sont les habitudes que tu as eues quand tu n'étais pas encore en Christ? C'est ces habitudes-là qu'on appelle ton vieil homme. Quelqu'un me suit? Si tu étais un bouffeur, même si tu es venu en Christ et accepté Jésus, le désir de bouffer beaucoup là, ça ne t'a pas quitté. Ou bien, si tu es un regardeur de télé de 6h du matin à 23h, même si tu as accepté Jésus, ton affaire de télé là, ça ne t'a pas encore quitté. C'est ton vieil homme, c'est ce qui te combat. Ce n'est pas Satan. Ou bien, si tu étais un grand chercheur de femmes, ton affaire de femme là, même si tu as vu que Jésus est bon, même si tu as dit oui à Jésus, son vieil homme là, il est encore présent. Quelqu'un me suit? Et c'est par là que Satan passe. Donc si tu n'es pas conscient de ça, tu as attaqué les démons, alors que ça n'a rien à voir avec les démons, c'est ton vieil homme qui est en train de te fatiguer, il est en toi. Quelqu'un me suit? Ok. On peut avancer. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou créature, selon les versions. Et on ajoute, les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire la vie du vieil homme là. C'est ça que Jésus a réglé. On va revenir dessus tout à l'heure. Donc, quand on dit les choses anciennes, on parle du vieil homme. Parce qu'on sait que les gens sont dans la maison de Dieu, ils s'appellent chrétiens, mais c'est le vieil homme qui est là. Ils ne sont pas encore nouvelles créatures. Ils sont nouvelles créatures dans la bouche, mais dans les faits, dans leur vécu quotidien, rien n'a changé. Le vieil homme est toujours présent. Tant que le vieil homme est là, Satan va te tenir captif. J'ai cité cet exemple d'un prophète que j'aime beaucoup, un papa. Il dit, on ne peut pas empoisonner quelqu'un avec du Coca-Cola si lui-même n'aime pas Coca-Cola. Ou bien, Armada, on peut mettre poison dans Coca pour te tuer, si toi tu ne bois pas Coca. Si d'habitude tu aimes Coca, c'est par là Satan va passer pour t'avoir. Donc au lieu d'attaquer Satan, il faut regarder ce que tu faisais avant qui n'est pas bien là. Il faut régler le problème de tes habitudes. Quelqu'un m'entend? Écoutez, ce que je suis en train de vous prêcher là, ça va vous apporter une délivrance totale. Pas une demi-délivrance. Si tu sais pratiquer ce qui va être enseigné ce soir, ce qui va être enseigné vendredi prochain, ce qui va être enseigné le vendredi suivant, si tu pratiques les trois là, ta délivrance sera totale. Tu seras libéré. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Le vieil homme, Paul en parle encore dans Romains 7. Et ça, c'est un passage que j'aime beaucoup aussi. Notez bien, Romains 7, on va lire du verset 22 au verset 24. Ceux qui sont curieux, vous pouvez commencer à lire de Romains 6 jusqu'à Romains 8. Les trois chapitres là. Parle du vrai combat spirituel. Si Dieu vous fait grâce de comprendre, parce que c'est des chapitres difficiles. Mais Romains 7, versets 22 à 24. Regardez ce que Paul dit. Il dit, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Premièrement, il y a l'homme intérieur qui aime la loi de Dieu. Qui s'appelle l'homme intérieur, c'est ton esprit. En toi, il y a ton esprit. Quelqu'un me suit? Verset 23. Il dit, mais je vois dans mes membres, dans mon corps, là, dans mes membres, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement.
Il y a un principe en moi qui lutte contre la loi de mon entendement. Ce que Dieu me dit qui est bon là. Il y a quelque chose en moi qui lutte contre ça. Ce quelque chose là, c'est ce qu'on appelle le vieil homme. Je vais continuer. Et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc dans ces membres là, il y a deux lois. Il y a la loi qui lutte contre la loi de son entendement, c'est ça qu'on appelle le vieil homme. Et puis il y a la loi du péché et de la mort qu'on appelle la chair. C'est ça qu'on va voir vendredi prochain. Voici les deux là. C'est les deux là qui te créent des problèmes. C'est les deux là qui combattent ce que le Saint-Esprit t'apprend. Ce sont les deux là qui t'empêchent d'accepter de faire la volonté de Dieu chaque jour. Quelqu'un est avec moi? Et regardez le verset 24. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Ça, c'est Paul, avec toute l'onction. Lui qui marche, qui prend mouchoir, ça le touche et puis donne là, laisse le malade et lui. C'est lui qui parle comme ça. Qui me délivrera? À un moment donné de sa vie, il a dû traiter avec le vieil homme. Il a dû traiter avec la chair avant de combattre Satan. Si les deux là, vous n'avez pas vaincu là-bas, c'est pas la peine de dire démon sort. Ils vont partir, ils vont revenir. Quelqu'un est avec moi? Amen. Très important. Donc quand on parle du vieil homme, deuxième chose qu'il faut savoir, c'est ton ancienne nature. Ton ancien moi, tu dis, moi ça là, ça marche pas avec moi. C'est ce moi là, appelé vieil homme. En tout cas, moi, ça ne me plaît pas. Quand tu appelles moi, c'est lui qui est le vieil homme, là. C'est lui qui est là. Donc, si tu as l'habitude de dire moi, là, ce que tu es en train de parler, c'est ton vieil homme qui est en train de se manifester. C'est lui qui fait que tu n'es pas délivré, que tu ne peux pas profiter des choses de Dieu. C'est l'ensemble de tes principes personnels que tu as décidé de pratiquer depuis longtemps que tu es dedans, avant même que tu ne croises Christ. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné ces principes-là, mais toi-même, tu as établi des principes par rapport au modèle que tu as vu à la maison, dans ton ethnie, dans ton entourage, à l'école, tu as regardé. Et puis toi-même, tu as choisi des principes de vie librement, sans Christ. C'est ça qu'on appelle ton vieil homme. Il y a des gens là, chez eux là, ils ne veulent pas voir petit sable même comme ça, quand ils vont marcher dans les salons. Si les pieds touchent sable là, maintenant, la colère vient en même temps. Ça, c'est son principe personnel. C'est pas Dieu qui a dit qu'il faut faire comme ça. Mais si tu viens à une telle personne, dès qu'il y a petit, ça met son pied à petit, ça va même temps là. La colère s'enflamme, on commence à crier sur lui à gauche, à droite. Tu as oublié la tortue, même nous, le tonton qui était joyeux tout à l'heure, il est rentré à cause de ça. Il a changé. Parce que dans ses principes, il dit lui dans sa maison, il ne faut pas qu'il vienne ça. Ça, Dieu n'est pas dedans. Dès le sens où tu t'es mis en colère là, les démons ne font que profiter. S'il y a un sorcier dans la maison, il profite. Et il lance son truc. Ça va t'avoir. Est-ce que c'est le sorcier qui est mauvais? Non, c'est ton vieil homme qui n'a pas encore été réglé. Il n'est pas vaincu. Est-ce que vous me comprenez? Il y en a, moi aussi, moi, il a dit oui, fini. Quelqu'un ne peut pas me convaincre. Ah, quelqu'un ne peut pas te convaincre. Sur la terre ici, même Dieu change d'avis. Ah, Dieu a dit à Ézéchiel, tu vas mourir. Ézéchiel a pleuré. Dieu dit, Ésaïe, il faut aller lui dire, il va vivre encore 15 ans. Dieu a changé d'avis. Toi, tu ne changes pas d'avis. Ok. Donc, c'est ton vieil homme qui va te créer des problèmes. Est-ce que vous me suivez? Il faut laisser les démons à côté. Je n'aime pas les démons comme toi. Nous tous, on n'aime pas les démons. On n'aime pas Satan, c'est vrai. Mais avant d'arriver à lui, j'ai ton vieil homme. Quelqu'un me suit? C'est écrit dans la Bible. C'est pas moi. Moi-même, j'ai découvert par la grâce de Dieu. Comment on reconnaît le vieil homme? Troisième élément. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18. Il est dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre
que vous avez hérité de vos pères. Ah, ça là, c'est grave encore. On dit que tu as hérité de tes parents une manière de vivre qui est vaine, qui est mauvaise, qui est inutile. Tu as hérité ça de tes parents. Comment tu as hérité? Est-ce que ta maman t'a fait en sorte que tu te dis, ma fille, je te donne en héritage mon comportement? C'est ce qu'elle a dit. C'est lui avec une maman qui a dit ça. Papa, t'as répondu, moi, je regarde. Elle n'a jamais dit. Mais comment ça se fait que toi, tu as hérité son caractère? Tu as hérité des défauts de tes parents. Tu as hérité de leur mauvais comportement. Comment ça se fait? Le sang. J'étais dans son ventre. Quand elle mange, il mange. C'est son sang là qui circulait en toi. C'est voilà. Le sang de papa est rentré dans maman. C'est ça qu'on appelle sperme. Sang de maman est rentré dans papa. Les deux se sont associés. Ovule et puis spermatozoïde. C'est le sang. Pourquoi quand tu fais avortement, on dit que tu es en train de tuer la vie. Ouais, c'est le sang de papa, le sang de maman qui s'est mis ensemble. Et puis maintenant, c'est devenu bébé. Ça a grandi dans ton ventre. C'est pas c'est ce jour-là qui t'a donné héritage de caractère. Et ça est en toi. Bon, toi, tu es en train d'attaquer les démons. Les démons disent, mais regarde dans ton sang là-bas. Ta colère l'a quitté dans ton sang. Nous, on n'a rien fait. Nous, on n'a fait que profiter. Quand tu te mets en colère pour t'attaquer. Nous, les sorciers, on a fait quoi? On n'a rien fait. Tu nous accuses. Mais regarde dans ton sang. Regarde dans ton âme. L'âme, là, dans le sang. Toutes les informations, vous qui faites LVT, là, dans ton ADN, là-bas, tout est dedans. Dans tes gènes, là, tout est dedans. Et toi aussi, tu vas donner à tes enfants. Et depuis ton grand-père, là-bas, là, méchanceté, là, ça vous suit. Avarice, là, ça vous poursuit. Colère, là, c'est en vous. Tu ne peux pas comprendre. Un matin, tu es là, comme ça, puis pour rien, tu es énervé. Pour rien, quand on dit, je n'ai pas envie de sortir. Je ne veux même pas que quelqu'un me salue. C'est pas toi qui faisais. Jésus est merveilleux. C'est pas toi qui dansais à l'église. Là. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, du coup, tu piques une colère bizarre. La chose est dans ton sang. Donc, il faut laisser les démons un peu. L'heure tout arrive. Il faut régler le vieil homme. Il faut t'occuper de lui. Vous me comprenez maintenant, non? On avance un peu. Il a donné des exemples. Dans la Bible même, on a vu Abraham. Ah, il devait aller en Égypte au moment de la famine. Il a fui pour aller en Égypte, il a quitté Canaan, sans la permission de Dieu. À la porte de l'Égypte, il dit à Sarah, si on rentre là, il faut dire que tu es ma soeur. Tu es trop jolie. Faut pas, ils vont me tuer pour te prendre. Sarah aussi dit oui. Ils ont menti, ils sont rentrés. Il y a eu la famine aussi. Isaac est allé à Guéra. Arrivé là-bas, on lui a demandé, c'est ta femme? Il dit, non, c'est ma soeur. Isaac est fils d'Abraham. Il a menti de la même manière que son papa. Le mensonge l'a quitté. Et puis, dans les mêmes circonstances, le mensonge l'a quitté où? Dans le sang d'Abraham, il a donné à Isaac. Et quand ça va arriver là, il faut mentir comme ça. Et toi aussi, tu as des réactions bizarres comme ça. Devant certaines situations, c'est les mêmes réactions que ton père ou bien ton grand-père a eu. Ton aïeul a eu, c'est les mêmes réactions. On a vu l'exemple de Moïse. Moïse est lévite. Son grand-père, son aïeul s'appelle Lévi. Parmi les 12 enfants de Jacob, qui forment les 12 tribus d'Israël, il y a Lévi dedans. Lévi, elle est très colérique. Jacob, même avant de mourir, a dit que quand Lévi se met en colère, sa colère est cruelle. Il peut tuer quelqu'un. On a vu avec Moïse, quand il est descendu de la montagne, il y a les deux tables de pierre. On dit, le doigt de Dieu a écrit la loi. Le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu a écrit. Quelque chose comme ça, là. Tu n'as pas gardé ça en vrai diamant. Quand il a vu que le peuple adorait le veau d'or, la colère de Lévi est ressuscitée à Moïse. Il a cassé les deux pieds. Vous comprenez, non? Avant de rentrer à Canaan, le peuple a commencé à parler. Nous, on a soif. On ne sait même pas pourquoi Moïse nous envoie dans le désert. Et après, on s'ouvre. Dieu lui a dit, bon, s'ils ont soif, il faut parler au rocher, l'eau va sortir. Moïse était tellement énervé encore. Il dit, peuple rebelle, vous allez voir si de l'eau peut sortir de ce rocher.
Et puis au lieu de parler, il a pris sa verge, elle a frappé le rocher deux fois. Dieu n'a rien dit, Dieu a dit de parler, toi tu as frappé. Dieu a donné de l'eau pour son peuple à soif. Mais après, il a récupéré Moïse à côté. Il dit, bon, moi, il te dit que je t'ai fait le contraire. Tu ne vas pas rentrer à Canaan. C'est à cause de colère. Tu ne vas pas rentrer. Écoutez, mes frères. Cette affaire-là, si vous ne réglez pas ça, nos parents spirituels, Abraham, Moïse, etc., même les David et autres, ils ont eu ce problème. Dieu nous a montré ça dans la Bible pour que nous, on fasse attention. Qu'il y a quelque chose qu'on appelle le vieil homme. Ce n'est pas démon. C'est toi-même, ton ancienne nature, tes principes que tu avais, la vie que tu as héritée de tes parents, les faits de ta vie passée, les habitudes que tu avais développées avant. C'est ça qui est là qui te fatigue. Ce n'est pas des mots. Marie, ouais, ce n'est pas des mots. Si toi tu laisses ça, tu t'as attaqué les démons, tu as duré avant d'être délivré. Tu vas durer là, parce que les démons, ils vont sortir, mais t'attends. Ah, on n'a pas délivré de Larissa. Pourquoi il y a une leçon où les noms des gens vont sortir? Au pire, la partie. On a fait délivrance de ma fille. Aïe! Nous, on a prié! Esprit de ton sort! Sors! Le démon dit, je vais sortir. Il n'y a pas de problème. Mais, je vais revenir. Depuis quand Jésus chasse des démons, puis des démons dit, lui va venir. On dit, sors, ne reviens plus. Je dis, je vais revenir. Parce qu'elle ne peut pas pardonner. Où? Elle ne peut pas pardonner. Elle ne peut pas pardonner. Où? Je vais revenir. Ça, c'est moi. Ce n'est pas grave. Mais je vais revenir. Elle ne peut pas pardonner. Où? Regardez ça. Elle dit, le démon s'appuie sur quelque chose qui est en elle. Le manque de pardon. Ah, sinon, le nom de Jésus est puissant, mon frère. Le nom de Jésus est puissant. Mais comment ça se fait que toi, tu n'es jamais délivré totalement? Parce que tu ne traites pas ton vieil homme, tu ne règles pas le problème du vieil homme. Tu t'amuses à ça. D'ailleurs même, tu ne sais même pas qu'il y a un vieil homme qui est en toi. Ton ignorance te crée des problèmes. Dis à quelqu'un, je serai libéré ce soir. Ta manière de parler n'est pas convaincante. Est-ce que tu peux parler avec plus d'audace que ça? Alléluia. Vous savez, nous avons un Dieu qui ne fait pas que présenter les problèmes. On a un Dieu de solution. Ah, je ne sais pas à qui je parle. Amen. On a un Dieu qui règle les problèmes. Quand Dieu te montre ce qui ne va pas, c'est qu'il a préparé la solution pour que tu en sortes. C'est pourquoi je dis que tu seras libéré ce soir. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait pour que tu sois délivré de ton vieil homme? Jésus a fait des choses, c'est la bonne nouvelle. Il y a des choses que Jésus a eu à faire pour que toi et moi, on soit libérés du vieil homme. Mais si toi, tu ne sais pas ce que Jésus a fait, tu pries sur quelle base? Ta prière, quel est son fondement? Vous savez, quand on prie, la Bible dit dans l'Apocalypse que les anges viennent, ils récupèrent les prières des saints. Est-ce que tu disais ça? Ah, je t'informe. Peut-être un temps viendra où on aura le temps de parler de ce qui se passe au ciel. Mais je t'enseigne les choses du spirituel. Quand tu es en train d'adorer le Père, tu es en train de prier, les anges viennent, ils prennent tes prières. Ils envoient ça sur l'autel de Dieu, le lieu des sacrifices de Dieu. Et ça monte dans les narines de Dieu comme un parfum de bonne odeur, la prière des saints. Et quand les anges envoient, Dieu donne des réponses et les anges prennent, ils reviennent à un sac de dépôt dans ta vie. Tu m'écoutes? Écoute-moi très bien. Donc, l'autel de Dieu sur lequel tes prières vont aller là, il y a le sang de Jésus là-bas. Donc, si tes prières ne sont pas basées sur ce que Jésus a fait, tes prières n'auront pas exaucement. Parce que Dieu, il ne nous exauce pas à cause de nous, mais à cause de Jésus. Il a été clair avec nous, Dieu, il a été très clair dans la Bible. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Bon, si toi, tu l'as laissé. Et puis, tu l'as fait pour toi à part. Tu n'es pas Moïse. Tant de Moïse est fini.
Autant de Moïse a Jésus n'est pas mort à la croix. Nous, notre génération là, c'est sur ce que Jésus a fait qu'on s'attrue. Quand tu veux prier, demande-toi. C'est ce pourquoi je suis en train de prier là. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ce sens? C'est sur ça qu'il faut proposer ta prière. Il ne faut pas venir babader, oui, oui, Seigneur agit, Seigneur agit. Ça là, ce n'est pas prière. Quelqu'un m'écoute? C'est extrêmement important. Qu'est-ce que Jésus a fait? On va aller doucement. Romains 6, le verset 6. Parce que si vous avez bien compris, si vous avez bien noté, vous-même, vous pouvez faire des prières même qui vont produire des résultats extraordinaires dans vos vies. Et ça a toujours été mon souhait. Prêcher aux gens la vérité et puis ils vont aller faire des expériences avec ça pour que eux-mêmes leur foi soit affermie. Ça a été toujours mon souhait. C'est le désir de mon cœur. Pas des chrétiens qui vont venir dépendre du pasteur. Bon, les jours, tu t'en vas en voyage. Moi, je ne suis pas là-bas. Tu avais comment? Toi, tu t'en vas au campement, non? Est-ce que je suis là-bas? Mais tu as m'appelé. Faisais ça là pour prier, on prend qu'un verset. Ah? Bon, et si ce jour-là, moi aussi, je suis en programme. Portable est fermé. On fait comment? Donc, comprenez, il faut comprendre la parole de Dieu. Romains 6, 6. Regardez ce qui est écrit là-bas. Sachant que notre vieil homme, vous voyez le mot là encore, non? Vieil homme. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous avez vu, non? C'est pas fini. Regardez 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, versets 14 à 15. Associez les deux passages. Puis on va expliquer. 2 Corinthiens 5, versets 14 à 15. Mes frères, écoutez bien ce que Jésus a fait. Parce que c'est selon ça que tu vas prier. Ce soir et puis dans le reste de ta vie. C'est avec ça que tu vas aider d'autres personnes. Est-ce que quelqu'un me suit? 2 Corinthiens 5, versets 14 à 15. Car l'amour de Dieu nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Vous comprenez le français là? Je vais continuer. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Arrêtons-nous là. Vous êtes intelligents, réfléchissons. J'ai dit, regardez les versets là. On dit quand Jésus est mort à la croix, là, il a été crucifié avec qui? Non. Ça. Premier verset là. On dit, ton vieil homme a été crucifié avec Christ. En fait, quand Jésus partait à la croix, c'est pas à cause de lui-même. C'est pas à qui il parle. Vous me suivez? Il n'est pas allé à la croix pour ses propres causes. En partant là, c'est ton vieil homme, il a pris pour partir. Pendant qu'on clouait là, c'est ton vieil homme, là, on était en train de crucifier. Amen. Tu n'étais pas venu. Dieu a déjà prévu la solution. Quelqu'un me suit? Et on dit, si un seul est mort pour tous, c'est que tous sont morts en lui. Donc, à la croix là-bas, là, c'est toi qui es en train de mourir. C'est à moi que Dieu est en train de dire à Satan. La vie de ce monsieur, la vie de celui qui va venir, la vie de tous ceux qui vont croire là, c'est cette vie-là, mauvaise vie d'avant, des vieil homme que je suis en train de tuer comme ça, à travers Jésus le Christ. Satan regarde. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc ça, c'est ce que Jésus a fait. Si tu ne crois pas ça, que tu pries, ta prière n'a pas de force. Dans le spirituel, ça n'a pas d'efficacité. Quelqu'un me suit bien? Ça, c'est ce que Jésus a fait. Ce n'est pas fini. Regardez 1 Pierre. Tout à l'heure, on a lu le chapitre 1. 1 Pierre 1. Là. Regardez le verset 18. Maintenant, vous ajoutez le verset 19. Ce que Jésus a fait. Mes frères, c'est très important. La vie chrétienne est basée sur ce que Jésus a fait. On te dit,
Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. La Bible dit que ta vie que tu as héritée de tes parents là, Jésus, son sang là, a racheté cette vie là. On va expliquer terre à terre, parce que si vous ne comprenez pas ça, la prière sera pas efficace. Écoutez-moi un peu. C'est comme si, voici, c'est comme si, comme il a bien en noir, il y a des grands comme Satan. Mais ce n'est pas Satan. C'est comme si Satan a tout mon fils. Vous voyez, non? Et puis, c'est comme il a pris mon fils en otage. Et puis, d'ici, on n'envoie pas 5 millions. Il ne libère pas mon fils. Donc, on essaie que le prix à payer pour que mon fils soit libéré, c'est 5 millions. Donc, Jésus, son sang là, c'est la rançon. Les 5 millions là, c'est le sang. Et je viens, je dépose ça sur l'autel. Celui qui gère le spirituel, c'est Dieu le Père. Je dépose ça sur l'autel. Voici les 5 millions que Satan a réclamé pour que mon fils soit libéré. Vous comprenez, non? Et quand Dieu récupère les 5 millions, il dit à Satan, la rançon est là. Comme la rançon est là, libère l'enfant. Satan veut le laisser. Et toi, tu le rachètes. Amen. Amen. À ce qu'on appelle racheter. Ça, c'est ce que Jésus a fait. La vie que tu as héritée de tes parents qui te bloquaient là, Jésus t'a enlevé dans cette vie-là. Il t'a racheté en donnant son sang. Parce que la vie est dans le sang. Il fallait un sang pur pour te racheter. Voilà ce qu'il a fait. Donc, quand tu dois prier pour ces gens de choses, ce sont ces passages d'accueil qui rappellent. C'est sur ça que tu t'appuies. Mon vieil homme a été crucifié avec Christ. Quand il est mort, je suis mort. Ma vie ancienne a été détruite avec lui à la croix. Et de plus, la rançon qu'il fallait pour que je sois libéré de la vie que j'ai héritée de mes parents, de leurs défauts, de leurs mauvais comportements, des mauvaises choses qu'ils ont faites qui devaient retomber sur moi. Tout ça là, c'est ça Jésus a racheté par son sang précieux. Sur cette base, vieil homme, tu ne peux plus contrôler ma vie. Amen. Vous comprenez la prière? Vous voyez la prière, non? C'est ça la prière. Ça n'a rien à voir avec les bavardages. Non. Soyez précis. Et vous allez voir les effets. Tu vas voir les résultats toi-même. Je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Voici ce que Jésus a fait. Ce n'est pas fini. Ça, c'est sa mort. C'est quand il est mort que son sang a fait ce travail. C'est quand il est mort que ton vieil homme a été crucifié. Mais ça n'a pas arrêté là. Regardez toujours 1 Pierre 1, là, le verset 3. Il y a quelque chose d'intéressant dans le verset 3. Il est dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » J'aime ce mot-là. Bon, peut-être comme beaucoup d'entre nous ne comprennent pas bien français, quand on dit régénérer, ça veut dire que les gènes qui étaient en toi là, ont été changés, ont été reprogrammés. Les gènes qui étaient programmés pour faire les mauvaises œuvres, Jésus, il est ressuscité là. Puisqu'il t'a tué, il a tué ton vieil homme. Donc il est ressuscité, tous les gènes mauvais là ont été changés. Amen. À la résurrection. Voici ce que la résurrection apporte. Et toi, si tu ne sais pas ça, tu vas faire des prières comme si tu dois faire des. T'as vu quand il a dit que bon, tu dois devenir homme, tu dois libérer de ça, les mauvaises habitudes, la vie de tes parents. Tu as dit, comment il va faire ça? C'est pas ça? Parce que si on veut bien voir là, par tes propres efforts, tu ne peux pas être quelque chose qui est dans ton sang. Tu ne peux pas. Donc, c'est ce travail-là que Christ a accompli pour toi. C'est pourquoi on parle de la grâce de Dieu. La grâce, quand on dit qu'on a reçu la grâce, c'est de ça qu'on parle. Voici ce que Jésus a fait. Écoutez-moi. C'est un peu comme le pardon des péchés. C'est un peu comme la guérison. C'est un peu comme la délivrance. Jésus a déjà tout accompli. Jésus a payé le prix. Mais malgré ça, il y a des gens encore qui subissent
le péché, qui subissent la maladie, qui subissent les œuvres des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas ce que je viens de vous dire là. Ils ne croient pas, ils ne basent pas leur prière dessus, ils ne basent pas leur foi sur ça. Ils basent leur foi sur leur prière. J'ai prié 4 heures. J'ai gêné une semaine. À cause de ça, ils seraient libérés. Quoi? Et ce que Jésus a fait, toi, ça n'est rien pour toi. C'est ta prière de faire quelque chose. Jamais. Vous me comprenez, non? Il faut baser sa foi sur ce que Jésus a fait. Il faut, même si tu gênes, il faut gêner sur cette base-là. Pas compter sur le fait que tu as eu faim pendant 3 semaines. Ce n'est pas ça qui a délivré. C'est ce que Jésus a fait là, qui te pousse à croire en ta délivrance et à déclarer la parole de Dieu sur ta vie jusqu'à ce que les chaînes tombent, jusqu'à ce que l'ennemi capitule. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Ça me tient à cœur. Parce que vous êtes chez moi ici, si vous ne bénéficiez pas de ça là, ce n'est pas bon. Vous devez être les premiers bénéficiaires. Alléluia. C'est très important. Très important. Voici les 3 choses que Jésus a eu à faire. Maintenant, quelle est notre responsabilité pour que la délivrance, la libération du pouvoir ou de l'emprise du vieil homme soit une réalité dans ta vie? Qu'est-ce que toi tu dois faire? J'étais en train d'expliquer un peu. Première chose, il faut croire. Croire quoi? Crois que Jésus, quand il a été crucifié, c'est toi, ton vieil homme, qui était à la croix là-bas. Il faut croire ça. Il faut croire que son sang t'a racheté de la vie mauvaise que tes parents ont eue. C'est ce que la Bible dit. Dieu ne ment pas. Crois ça. Il faut croire aussi que quand Jésus a été ressuscité, tes gènes ont été régénérés, transformés, reprogrammés. Il faut croire ça d'abord. Voici ta responsabilité. Si tu ne crois pas ça, Dieu ne peut rien faire. C'est pas possible. Il ne peut rien faire. Quelqu'un me suit? Première responsabilité, c'est de croire. Deuxième responsabilité. On va dans Éphésiens 4. Éphésiens 4. Verset 20, notez jusqu'à verset 32, mais je n'ai pas lu tout ça. Je vais m'arrêter quelque part, mais vous lisez jusqu'au verset 32. Les solutions se trouvent là. Éphésiens 2, je commence par le verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Première chose, dépouiller. Quelqu'un dit dépouiller. Dépouiller. Très bien. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Premièrement, Dieu dit il faut te dépouiller du vieil homme. Jésus l'a déjà tué à la croix du calvaire, mais le vieil homme est comme un habit sur toi. Ah, Satan te rappelle. Tu comprends un peu, non? Toi, tu aimes les plus clairs. Tu comprends un peu? Et ça révèle le vieil homme. Mais toi, faut te dépouiller. Enlève la vie du vieil homme. Enlève la manière de penser d'avant. Renonce à ça. Tu me vois maintenant, non? Il faut, le vieil homme, il faut te séparer de son habit qui est sur toi. Comprends que maintenant, tu n'es plus ce vieil homme. Nous, quand on était un nouveau chrétien, on le disait sans le savoir. On citait ces paroles-là, mais on ne savait pas. Moi, j'ai dit à quelqu'un, un jour, j'ai dit, ce Landry que tu as connu par le passé, il est mort à la croix. Celui que tu vois là, c'est un nouveau Landry. Mais je n'avais pas une grande foi. Hein. Mais c'est venu comme ça dans ma bouche. En fait, c'est ça qu'on appelle se dépouiller du vieil homme. Il faut comprendre que tu es une nouvelle création. Ta mentalité doit changer par rapport à ça. C'est comme un enfant de 6 ans, qui a 17 ans, à l'âge de 17 ans. Il y a des choses qu'il ne peut plus faire, parce que ce n'est plus de son âge. Si tu dis, viens, je veux bille, il va te dire, il y a 17 ans, je ne joue plus aux filles. Il s'est dépouillé de son enfance. Si je parle à quelqu'un. Toi aussi, dépouille-toi. Maintenant là, tu es fille de Dieu. Tu ne peux pas prendre les mentalités du vieil homme pour te balader. Tu dis à Satan que ton vieil homme là a été crucifié.
Tu dis que le sang de Jésus t'a régénéré. Tu dis maintenant que tu es une nouvelle personne. Donc, tes habitudes deviennent. Tu dis que ce n'est plus moi. Cette colère-là, ce n'est plus moi. Je ne peux plus rentrer dans ça. Ce n'est plus possible. Vous me suivez bien? Deuxième chose. Il continue au verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Deuxième chose, le renouvellement de l'intelligence. C'est la même chose qui est dit dans Romains 12, 1 à 2. Le renouvellement de ton intelligence, changement de mentalité. Faut plus penser comme un baoulé, faut plus réfléchir comme un bété, faut plus réfléchir comme un abron, comme un coulango, faut plus réfléchir comme ça. Ne réfléchis plus comme une femme gourou, ma soeur. Ne réfléchis plus comme ça. Tu ne sais pas ce que tu es. Tu es Christ sur terre. Faut pas réfléchir comme les Ivoiriens. Tu n'es pas Ivoirien. Amen. Il y a des gens qui me disent, c'est pas comment les chrétiens comprennent la Bible. Tu n'es pas Ivoirien. Tu es du ciel. Amen. Ah, tu sais pas ça? Ok, je te rappelle ça. Jésus dit, je m'en vais préparer une place. Quand j'aurai fini, je viendrai vous prendre. On dit, tel est le céleste, tel sont les célestes. Nous sommes les frères de Jésus. Si lui, il est du ciel, toi, tu es de la terre. Mais pourquoi tu te regardes comme Thérèse? Quand je dis à mes élèves que je ne suis pas bêté, je suis juif là. Me regarde comme ça. Me regarde, lui-même, dis moi-même. Je ne suis pas bêté. Les bêtés, même sont étonnés même de me regarder. La dernière fois, il y a une dame qui m'a demandé quelle est Tini. Mon ethnie réelle, c'est bêté. Les bêtés, même sont étonnés, ne me reconnaissent pas. Je ne suis pas bêté. Je suis du ciel. Je suis du ciel, je parle le langage de la Bible. C'est notre ethnie qui est là. Ça. C'est notre ethnie qui est là. Hein. On parle en langue chez nous là-bas. Voilà, voilà. Non. Mais si tu me dis, si tu comprends, si tu n'as pas, ça vous fait rire. Mais c'est la vérité. Chez nous là-bas, on parle en langue. Voilà, chez nous là-bas, c'est notre mentalité. C'est écrit ici. C'est comme ça qu'on réfléchit. Quand une situation arrive, on dit, que dit la Bible? On dit pas dit. Chez nous là-bas, comment on fait même? Comment on fait en pays bêté là, dans une situation comme ça? Dans la Bible là, comment on fait? Dans les Écritures, Saint-Esprit, comment on fait cette affaire? Voilà. Ça, on dit changement de mentalité. Faut pas réfléchir comme un jeune Ivoirien, mon frère. Faut pas réfléchir comme ça. Faut pas réfléchir à la manière des hommes. Tu es du ciel. La Bible là, c'est pourquoi faut la lire pour connaître la mentalité du royaume de Dieu. C'est pourquoi faut la lire chaque jour. Faut la méditer. Pour que ton intelligence soit transformée. Ton intelligence peut pas être transformée si tu écoutes très peu la parole de Dieu. Ton intelligence peut pas être transformée si tu médites de moins en moins les Écritures. Ton intelligence peut pas changer. Ta mentalité peut pas changer si tu n'es pas au contact de ta parole. Ta mentalité peut pas changer si tu es en train de regarder les films à Nango, les films des Turcs, de je sais pas, d'amour, de novelas. Ta mentalité peut pas changer. Ça, c'est la mentalité du monde. C'est un réel novelas. Pendant 4 heures de temps, tu ne lis pas la Bible du matin au soir. Et puis tu vas devenir quoi? Ah, c'est ton vieil homme qui va se réveiller. Tu vas faire les choses charnelles, frère. Tu vas tomber dans des péchés qui vont te surprendre. Parce que ton intelligence n'est pas renouvelée. L'intelligence se renouvelle qu'au contact de la parole. Moi, je peux regarder 5 prédications successives et puis elles ne m'ennuient pas. Mais toi, dès qu'on commence à prêcher, là, est-ce qu'il n'y a pas un film là-bas? Mais comment tu peux changer de mentalité si tu n'écoutes pas régulièrement les Écritures, la parole de Dieu? Si tu n'écoutes pas les bons prédicateurs? Si tu ne lis pas les vrais livres chrétiens? C'est ce qui nous a aidé aujourd'hui à changer de mentalité, à réfléchir comme Jésus. On a lu les vrais livres. Même les chrétiens d'aujourd'hui ne lisent même pas les livres chrétiens. Rien. Rien. Et comment tu veux que Satan ne puisse pas te détruire? Tu ne peux pas. La vraie délivrance, là, c'est ça qu'il a. Donc, changement de mentalité. Troisième élément, ce n'est pas fini. Il y a 3 étapes. Troisième élément, verset 24, il dit, et a revêtu l'homme nouveau. Créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité.
faut t'habiller de l'homme nouveau. Faut t'habiller de l'habit de Jésus. Quand on te voit là, on doit voir Jésus. Ta manière de parler, ta manière d'agir, ça doit être Christ. La pratique de la parole de Dieu, c'est ça, les gens doivent voir quand ils te regardent. Paul dit aux chrétiens de Thessalonique, il dit, vous êtes une lettre écrite par l'encre du Saint-Esprit. Vous êtes notre lettre. Ce qu'on vous a prêché là, c'est ce que quand les gens vous regardent, c'est ce qu'ils voient. Tellement que les gens pratiquent. Mais comment on te regarde, on se pose quelque chose. On se pose question. Ce n'est pas normal. Il faut t'habiller de Jésus. Voilà comment on se libère du vieil homme. Voici les trois étapes. Se dépouiller du vieil homme. Deux, renouvellement de l'intelligence par la parole de Dieu. Trois, revêtir. Puis c'est enlevé un habit. Tu mets un autre. C'est Christ. C'est la même chose qui est dit dans Colossiens 3. Regardez Colossiens 3. C'est la même chose que Paul dit là-bas. C'est la même chose. Mes frères, si vous ne pratiquez pas ces choses-là, votre vieil homme va vous contrôler. Vous allez passer votre temps à chasser les démons ne vont jamais fuir. Ils vont s'arrêter à côté. Il y a pourquoi on a fait la délivrance et les démons sont arrêtés à côté. Dès qu'on a fini, on est sorti d'ici, ils se sont nettoyés là. Les démons sont rentrés. On continue notre marche. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas ici seulement. Hein. C'est dans plusieurs églises où je suis passé. C'est plusieurs églises. J'étais à Boaké il n'y a pas longtemps. C'est la même chose. J'étais obligé de leur prêcher ça. Ils sont là, ils me regardent. Ils disent oui. Ton vieil homme est encore en toi. C'est lui qui agit puissamment. Et qui donne la force à Satan et aux démons. Si lui, tu l'as crucifié, il est dépouillé, tu as changé de mentalité, tu as revêtu Christ, les démons vont venir, ils n'auront pas peur d'entrer, ils vont partir. Ils vont te fuir. C'est ce que je dis là. Il faut essayer, tu vas voir. Ils vont te fuir. Regardez Ephésiens, regardez Colossiens 3, à partir du verset 5. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois. Vous étiez comme ça. Lorsque vous viviez dans ces péchés-là, c'est comme ça que vous étiez autrefois. Regardez le verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère et à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques, les plaisanteries qui pourraient sortir de vos bouches. Regardez le verset 9. Ne mentez point, ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, verset 10, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. C'est la même chose là qu'ici. Comme tu t'es dépouillé, c'est à cause de ça que tu peux dire la vérité. Comme tu as revêtu Christ, c'est à cause de ça que tu peux renoncer maintenant à certains plaisirs, à de mauvaises habitudes. Ça te coûte quoi de dire je ne mange pas? Et toi, si tu vois un plat qui est brillant, elle est bien morceau. Tu ne peux pas résister. Ça te coûte quoi de dire ça là? Je ne mange pas. Quand ton vieil homme ça dit non, c'est fini. Je voulais venir à midi ou bien 13 heures pour prier. Ma femme dit le repas est prêt. Je dis non, je vais à la prière. Oh, je dis ça. Elle est là. Je dis non, faut garder. Mais j'avais fait. Je n'étais pas rassasié. Quand il disait ça. Mais si toi, tu ne peux pas faire ça. Bon, ça dit, c'est ton ventre qui te commande. S'il dit, dès qu'il fait courrou, en même temps, tu arrêtes tout. Ok, il mange. Même pipi, même on sait ça. Pipi, tu peux te fatiguer là. Tu vois même là. Ou bien, quand le lieu n'est pas bien là, ma femme n'est pas bien. Quand le lieu ne lui plaît pas là, elle peut garder ça jusqu'à des heures. Bon, si pipi, on peut bloquer. C'est une nourriture, toi tu peux pas, tu trembles comme ça. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Pour terminer, on va lire 1 Pierre 1, verset 23. C'est la conclusion. Il y a la puissance dans la parole de Dieu, mes frères. Je vous dis la vérité, il y a la puissance dedans.
Vous savez, j'ai des amis pasteurs qui pratiquent beaucoup la délivrance. Des grands jeûneurs, des grands prieurs. Mais de plus en plus, ils ont commencé à me respecter. Des grands jeûneurs. J'étais à Boaké, puis le pasteur me disait, il dit, tu sais, avant que je ne prêche, il a pris le micro, puis il parlait au peuple. Il dit, lui, quand il a commencé le ministère, il était tout feu, tout flamme. Il a jeûné 80 jours. 40 jours, deux fois, comme Moïse. Tellement qu'il voulait la puissance de Dieu, mais pour bouleverser le monde. L'intention était bonne. Et puis, quelque part au milieu du jeûne, Dieu l'a arrêté, Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, Seigneur, je veux la puissance, je veux bouleverser, je veux être comme Jésus. Et Dieu lui a dit, ma puissance ne se trouve pas dans le jeûne et la prière. Il dit, ça l'a cassé. Dieu l'a clairement comme ça. Ma puissance ne se trouve pas dans le jeûne et la prière. Il dit, si tu veux ma puissance, étudie ma parole. C'est ce qui a fait que depuis un temps, il s'est attaché à moi. Moi, je n'ai pas gêné 40 jours deux fois. Mais j'ai compris que tout est ici. Mes frères, où tu es pour rien, tout est dans la révélation. Tout est ici. C'est le Saint-Esprit qui va te dire gêne. Et puis tu gênes. Tu ne te l'es pas compris. Moi, je ne veux pas, ouais. On a fait ça un peu. Je n'ai pas fait 80 jours, mais j'ai fait les 30, les 21 là. Beaucoup de fois. Il y a des fois, même elle me dit, mon mari, c'est bon maintenant. Je dis, non, Dieu n'a pas encore agi comme il veut. Quand je fais les jeunes, on a fait ça. Ça n'est pas, c'est pas là-bas, c'est pas comme ça que Dieu travaille. Est-ce que tu comprends la parole? Est-ce que tu vis la parole? C'est tout. C'est tout. Jésus met la jeûner 40 jours là, une fois seulement. Ou bien, vous avez vu, ça fait deux fois. C'est une seule fois. Tous ces disciples qui étaient autour de lui n'ont jamais gêné du vivant de Jésus. 3 ans et demi, ils n'ont pas gêné un seul jour, ils ont mangé tous les jours. Ça fait que les disciples de Jean-Baptiste étaient fâchés. Ils sont venus dire à Jésus, mais pourquoi tes disciples mangent? Moi-même, je suis là. Il dit, l'onction même, elle est là. Ils vont voir, ils pouvaient voir. Il dit, je suis derrière avec eux. C'est quand je vais partir, ils gêneront. Mais je suis là. Ils vont gêner, c'est pourquoi? Quand ils ont besoin que je me dise, je donne en même temps. Ils ont besoin d'un miracle, j'ai fait. Ils ont besoin de comprendre les écritures, j'ai pas. Moi, je n'ai, si je veux savoir où je veux partir, il me suit. Je suis déjà là. Dieu est parmi eux. Moi, je n'ai pas là. Vous comprenez là? Si vous ne comprenez pas les Écritures, vous allez vous faire du mal. La Bible a dit, ce qu'elle vous enseigne là, pratiquez ça. Vous allez vivre des délivrances même, de façon simple quoi. Sans tapage, le démon va sortir, puis là, te dit, je ne peux plus rien te faire, je m'en vais. Tu vas vivre des choses comme ça. Tu seras étonné. Ah, donc, ce que le pasteur a dit, oui, oui, ce que j'ai dit là, c'est ça. Simplement, Dieu n'est pas compliqué. Il est dans les Écritures. Et il y a lui, je suis parti, il n'y a pas longtemps, c'est un autre pasteur. Lui, il fait les veillées de délivrance. Ah, parce qu'on peut faire ça quand on sort. Quand on prie pour les gens, ils sont agités, puis ils tombent. On dit, voilà, le culte a réussi. Le culte a réussi. Oh, vraiment, d'abord, tu dis. Je suis passé là, il dit, évangéliste. Je dis, je crois qu'il y a on se tue, l'homme est malade ici. On se tue, c'est le même gars là, toujours. C'est le même gars là. Tu pries, c'est le même gars là. Et il vient avec lui les mêmes problèmes. Il dit, tu as mouru jeune. C'est quoi ça là? Il a dit, tu sais, tout est ici. Si vous comprenez les Écritures, vous serez délivré totalement et facilement. Ah, Jésus, pour délivrer quelqu'un, il dit, sors, s'il parle beaucoup. Il est comme ça. Femme, c'est guéri de ton intimité. Elle dit, tu vas bien. Lisez le monsieur là. J'ai dit, mon frère, j'ai dit, moi, j'ai écrit beaucoup. Si moi, j'ai parlé un peu, je vois que ça ne va pas le tenir. C'est que le monsieur n'a pas donné encore la dose aussi pour vous. Non, c'est pas par là. Je vais prier pour 100 personnes en 10 minutes. Simplement. Je vais prier pour guérir. Est-ce que la besoin de ma prière pour guérir? Tu en poseras les mains au malade, si c'est bon. Comme ça.
Si il veut guérir, il va guérir quelqu'un. C'est lui qui doit tomber, il va tomber. Le patron même il guérit simplement. Toi tu es apprenti, tu es jeune. Bref. Non, mon frère, c'est ça, hein? Ah, ok. Moi, on a sorti des églises où? Le frère! Jésus n'a pas fait ça. C'est intéressant. Ça active ta chair, ça montre à ta chair que tu as quelque chose, quoi. Que toi aussi, tu as un peu de puissance. C'est tout. Mais sinon, le patron n'a pas fait comme ça. Il n'a pas fait comme ça. La délivrance est simple. Bon, plus tard, les gens vont me comprendre. Peut-être pour le moment, beaucoup ne comprennent pas. Mais ils vont comprendre un peu. C'est un peu. Beaucoup ont commencé à comprendre un peu. Beaucoup ont commencé. Parce que les pères qu'on a commencé à voir là, ils ne sont plus dans ça là. Sanogo, tu n'as pas voir Sanogo crier si démon, jamais. Tu n'as pas voir Wafo crier trop si démon. Il t'a tout ici, tu n'as pas délivré, c'est ton problème. C'est le problème de Dieu. Non, c'est le travail de qui? C'est le travail de Dieu. Pourquoi on veut se mettre à sa place? Est-ce que lui t'a dit n'est pas capable? Un jour, je suis allé prier pour une soeur. Dès que je suis allé, elle était malade. Toi, elle m'a appelé au téléphone. Non, dans mon sel, j'arrive. Dès qu'il a mis pied là. Le Saint-Esprit me dit, il est écrit, tu imposeras les mains aux malades, ceux-ci seront guéris, tu ne prieras pas. Il est écrit, tu imposeras les mains. Qu'est-ce fièvre, elle était là, avec la fièvre comme ça. Je suis venu, il dit, il ne faut pas y parler. Que de déployer ma main, puis j'enlève, c'est tout. J'ai déployé ma main, quelques 30 secondes. J'ai enlevé. Elle a transpiré, fièvre est partie sur place. Si elle dit, si c'était avant là, si elle n'avait rien dit là. Oh! Au nom de Jésus! Tout esprit! Là, je sens qu'elle est en train de prier quoi. Bref, bon, les amis, écoutez, bon d'accord. Et puis le peuple aime les trucs comme ça. C'est le peuple qui met les intérêts de Dieu dans le problème. Il dit, il est venu, il n'a même pas prié chouchou. Mais il a prié. Il est, c'est que parce qu'il est moyen comme ça. Qu'il est venu, on n'a même pas prié Chocho. C'est Chocho qui a fait quoi? C'est Jésus qui travaille. Donc allez-y, dépouillez-vous du vieil homme. Croyez la parole. Croyez ça. On va prier un peu tout à l'heure. On va déclencher le processus. Mais croyez. Et puis dépouillez-vous. Changez de mentalité. Dans la journée là, tu as lu la Bible combien de temps? Ou bien même tu as mis écouteur pour écouter les messages combien de temps? Moi-même qui te presse là, j'écoute les messages en longueur de journée. J'écoute d'autres prédicateurs. Pour moi-même mon édification, je me retiens ma Bible et je lis les Écritures. Pour moi-même. Si toi tu ne fais pas ça, comment tu vas être dépouillé? C'est, quand le vieil homme est fort, Satan va t'avoir. Je te dis la vérité. Vendredi prochain, on va voir la chair. Et la chair encore, c'est plus grave. Si la chair est là, Satan n'a pas besoin de se fatiguer. Toi-même, tu es ton propre démon. Tu sais pas ça? C'est toi-même, tu deviens ton propre démon. Comment les blancs la font? C'est démon qui rentrent dans le... J'aime pas bien pour un peu de vie, j'arrive. Jamais! Parce que c'est l'esprit de l'homme lui-même qui a fini par accepter ça, cette réalité, comme étant vrai. Dès cet instant, Satan n'a plus besoin de t'arrêter. Toi-même, tu deviens ton propre démon. Il n'a pas besoin de posséder. Ça, c'est la chair qui fait ça. Ça façonne ta mentalité pour réfléchir comme le diable. Donc, si tu réfléchis comme lui, il n'a plus besoin d'habiter en toi. Parce que tu vas parler comme lui, tu vas agir comme lui. Tu fais partie de son armée. Il va rentrer là-bas pour faire quoi, gros? Il t'a déjà gagné, il cherche d'autres personnes. La chair. Toi-même, tu es ton propre démon. C'est des choses qu'il faut comprendre. Sinon, tu vas passer ton temps à prier, à jeûner, à prier. Tu vas maigrir alors qu'il y a les plats quand même que Dieu a envoyé pour te fortifier. Grossir un peu, tu as un peu de rondeur, tu n'es pas démarié.
Ok. Vous grossir un peu, manger. Ah, mes filles, mangez, sinon vous allez maigrir, c'est cadeau. Ah, ok, d'accord. Faut pas boire yaourt, faut rester là, faut dire, j'ai. Non. On se tient debout, on va prier, c'est ça. Soyez libérés. La parole libère. C'est pas compliqué. Quand il sera question de mener une guerre, quand Dieu voit que tu es en danger, lui-même il te dit jeûne. Il va mettre dans ton cœur des gênés. Et tu vas voir que ce jeûne-là, tu n'auras pas fait de gêner dans la peau. Quand c'est un jeûne qui vient de Dieu, tu ne sens même pas les jours passés. Mais quand ça ne vient pas de Dieu, que c'est ta chair, ça pêche toi. Tu n'as pas envoyé là-bas. Et tu es là qui pleure.